attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qui vous arrive ? Debout, ma chère dame. Baissez la tête. La manœuvre d'Emlich est à pratiquer en urgence devant toute suffocation par inhalation d'un corps étranger. Il faut d'abord taper avec le plat de la main le dos de la personne qui s'étouffe. Et si cela ne marche pas, il faut tenter cette manœuvre qui est très simple. Elle provoque une forte pression de bas en haut sur le diaphragme à travers la paroi abdominale, ce qui provoque une hyperpression de l'air contenu dans les poumons et les bronches qui tend à expulser le corps étranger vers l'extérieur. Ben voilà ! Donc c'est très bien ça ! Vous avez vu ? Ah. Vous vous moquez de moi ? Pour créer cette hyperpression, comme l'a fait l'aide-soignante, il faut se placer derrière le malade, lui entourer la taille avec les deux bras, placer un point fermé recouvert de l'autre main au niveau du creux épigastrique, immédiatement en dessous du sternum et dans l'arc formé par les côtes, et exercer une brusque pression dirigée vers le haut.